Détenu par la gauche depuis 1998, le canton de Saint-Cyr-l'École pourrait peut-être basculer à droite dimanche prochain. Le duo Union de la droite, Philippe Benassaya et Sonia Braud, arrive en tête du premier tour avec 39,18% des voix. Content de la mobilisation, parce que bien supérieure à ce qui avait été annoncé, et puis content du résultat. Je pense qu'une campagne de terrain qui a porté ses fruits. Il faut continuer à mobiliser les électeurs, parce que rien n'est joué, mais ce résultat est un bel espoir. Il reste une semaine et on va continuer à se mobiliser sur la semaine qui va venir. Philippe Benassaya réalise le Grand Chelem à Bois d'Arcy, commune dont il est le maire, en remportant tous les bureaux avec 41,98% des voix. Pour autant, ils le savent, rien n'est joué. Face à eux pour le second tour, Fabienne Gelgon-Bilbao et Jean-Philippe Mallet, conseiller général sortant, socialiste. Ils ont réuni 24,40% des suffrages lors du premier tour. Pour nous, c'est quand même un motif, on va dire, de satisfaction. Je rappelle simplement que depuis trois semaines, tous les Français ont pu voir que tous les sondages mettaient le Parti Socialiste à très loin derrière, en troisième position, à 19-20%. Donc nous sommes bien, bien au-delà. Ce canton n'est pas passé à droite. Il y aura un deuxième tour et on va faire une campagne pour ce deuxième tour. Les trois autres binômes ont été écartés du second tour. En troisième position, Julien Grimm et Perrine Geniaud pour le FN ont remporté 19,89% des suffrages, des résultats qu'ils qualifient d'encourageants. Vient ensuite le binôme Front de Gauche Europe Écologie Les Verts avec 12,03% et enfin Debout la France avec 4,50% des voix. Nous prenons, je dirais, la responsabilité citoyenne. Nous faisons confiance à nos électeurs pour prendre la bonne décision et nous ne donnons pas de consigne de vote. On est un parti républicain. Nous avons des électeurs qui viennent de droite comme de gauche, des électeurs qui viennent à nous directement et qui ont des convictions, qui ont une réflexion au premier tour. S'ils sont capables de réfléchir au premier tour, je ne vois pas pourquoi on leur expliquerait ce qu'ils vont faire au second. Debout la France et le rassemblement Front de Gauche Europe Écologie Les Verts restent toutefois fixés sur un même objectif, continuer leurs combats respectifs et défendre leur position au-delà des échéances électorales. 46% des électeurs se sont déplacés aux urnes dimanche. Pour les deux binômes encore en lice, il reste une semaine pour mobiliser les abstentionnistes.